Allez, on poursuit notre découverte des dernières sorties pour Star Wars Légion avec les soldats CRA ou CRA, ça dépend de la façon dont vous le prononcez. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à partager, à commenter et puis à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti! Et on commence avec les figurines. C'est toujours aussi beau. Echo et Five sont époustouflants. Mais même si j'aime l'idée du jetpack, la tige transparente me paraît un peu lourde et surtout, bah, ça va être difficile à transporter. Bah oui, moi, à chaque fois que j'ouvre ma boîte de jeu, dedans, j'ai de la casse. Et je trouve que ce genre d'artifice, ben, ça va pas aider. J'imagine que vous avez le même problème que moi. Passons à la carte. 72 points pour 4 soldats. 1 de vie, 2 de morale. On défendra en rouge, mais sans aucune transformation d'adrénaline. On se déplace à 2, c'est logique. On aura 3 solutions de combat. Le corps à corps avec un noir et un blanc. Le DC-17 avec la même chose, mais à portée 1-2. Et enfin, un des noirs qui touchera à 3 avec le DC-15. Aucun mot-clé pour les armes. Je trouve ça dommage. Au niveau de la barre d'amélioration, vous pourrez ajouter un DC-15, un entraînement, de la com, de l'équipement et des grenades. Pour les mots-clés, on aura sur cette première carte insensible tant que vous défendez, c'est la réserve d'attaque à perforant X, lancer X dés de défense supplémentaire. Même pas peur. Éclaireur 1, après votre déploiement, vous pouvez effectuer un déplacement à vitesse 2, donc ça c'est toujours pratique pour se repositionner. Tireur d'élite 1, tant que vous effectuez une attaque à distance, réduisez de 1 le couvert du défenseur. Tacticien 1, après que vous avez effectué un déplacement normal, vous gagnez un pion de visée. On peut également voir qu'il y a en fait une autre carte qui sera disponible, l'idée étant de proposer un duo, comme pour les solutions de sniper déjà présentes dans les autres sections. Allez, on passe aux cartes d'amélioration, le soldat CRA avec DC-15X. Donc pour 31 points, on va avoir un des noirs et un des rouges à portée 1-5. Franchement, ça cogne. Critique 1, tant que vous convertissez des adrénalines d'attaque, changez jusqu'à un résultat d'adrénaline en résultat critique. C'est pratique contre les machines. Immunité à déflexion. C'est intéressant aussi, au cas où vous vous trouvez en face du Mister Doku. L'étal 1, tant que vous attaquez, dépensez jusqu'à un pion de visée pour gagner perforant. On va retrouver également donc la carte des réacteurs dorsaux JT12 pour 10 points. Le coût en points de cette carte est réduit de 5 tant qu'elle équipe le capitaine clone Rex. Ouais, vous avez bien lu, on va pouvoir équiper Rex avec un jetpack. Ça, c'est classe. Vous gagnez l'action saut 2, hein, vous effectuez un déplacement pendant lequel vous ignorez le terrain d'une hauteur de 2 ou moins. Ceci est considéré comme étant une action se déplacer. Ça me rappelle une partie de l'Alderaan où les objectifs étaient haut perché. Et bien là, c'est du bonheur. Et enfin, la grenade anti-droïde EMP pour seulement 3 points. Tant qu'au moins un exemplaire de cette arme se trouve dans votre réserve d'attaque gagne un ion, un véhicule ou un droïde blessé par cette attaque gagne un pion ionique. C'est quand même pas très cher payé pour cette carte. À mon avis, elle va vite être évaluée. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. J'ai fait vite, mais en même temps, vous savez que maintenant, dans Légion, on va peut-être jouer la cloche. Donc il va falloir se presser. Je vous donne rendez-vous ce week-end pour les droïdes BX. Et puis, en attendant, je vous souhaite de bons jeux. Et puis surtout de bons jets. Parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Allez, à très bientôt. Ciao!